Attendez. Alors, les avantages du bachelor en génie civil sont une meilleure mise en situation professionnelle, notamment dans les apprentissages, puisque l'apprentissage va se faire beaucoup par projet, avec ce qu'on appelle des SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation, dans lequel le travail se fait dans un contexte professionnalisant et lorsque c'est possible, encadré également par des professionnels. C'est une formation de 3 ans, elle est professionnalisante, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, dès la deuxième année et pour la troisième aussi, de faire de l'alternance. Chaque année, il y a des stages. En tant que professionnel, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup les étudiants sortant du BUT, puisque du coup, ils ont des compétences vraiment transversales. Ils sont généralistes et ça leur permet d'être compétents dans beaucoup d'entreprises, que ce soit de l'entreprise de bâtiment, les architectes ou encore des bureaux d'études. À Toulouse, on a la chance d'avoir les 4 parcours qui sont proposés dès la deuxième année, à savoir le parcours bâtiment, le parcours travaux publics, le parcours réhabilitation et le parcours bureau d'études. On est un des seuls IUT génie civil à avoir ces 4 parcours, donc c'est une chance. La mise en place du BUT nous permet aussi de mettre en place une formation par alternance, à savoir qu'à partir de la deuxième année, les étudiants peuvent faire une alternance en entreprise pour pouvoir s'ancrer encore plus dans le milieu professionnel. J'ai moi-même choisi de faire l'alternance dès la deuxième année parce que l'alternance, ça va vraiment faire le pivot entre le monde scolaire et le monde professionnel. Ça va nous apporter une grande expérience et on va pouvoir vraiment allier les cours à la pratique et vraiment voir de manière claire sur le terrain ce qu'on apprend lors des cours ou des TD dans l'IUT. Comme on le sait, les métiers du bâtiment s'apprennent sur le terrain. Et que la deuxième année, dès la deuxième année, faire de l'alternance amène vraiment des compétences pratiques complétées par la théorie des cours. Donc c'est vraiment un avantage pour les étudiants.